Il a essayé d'utiliser l'eau des toilettes. Mais c'est au tour du ministre pas sûr de désormais se retrouver au fond de la cuvette. Alors que l'histoire baisse son pantalon et se prépare à asseoir sa rondelle sur la tête de ce garçon, c'est désormais à la justice de l'emmerder au maximum. C'est logique. Nous rejoignons en direct Violence Chanel et sa correspondante Formica Davis, qui est devant le tribunal et qui va nous dire où en est le procès. Merci, Velveta. Bon, au début, on s'est bien fait chier, c'était long. Il n'y avait pas sûr qu'il essayait de baratiner tout le monde avec sa manière de parler. Bla, 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 je vous assure, il faut me croire. Cette partie du procès était vraiment naze. Mais à ce moment-là, le président a pris la parole. Il a dit, moi, j'en ai rien à battre. Ce type est coupable, point barre, tout le monde le sait. Et il a condamné Joe à une soirée de réhabilitation. Hé, hey, réhabilitation ? Une soirée ? C'est pas la mer à boire. Pas la mer à boire, hein? Voici un best-of de la réhabilitation de la semaine dernière. Personne n'a oublié cette magnifique exécution réalisée par l'officier de réhabilitation, Tylenol Jones. Et demain, la soirée risque d'être plus meilleure. Le bruit court que Beef Suprême en personne pourrait faire son comeback. Waouh! Merci Formica.